Voilà. Ici, je vais faire une salle, enfin une nécropole, surtout par principe. Quoi à présent ? Parce que j'aimerais essayer d'avoir un peu plus de place, disons. Je sais pas pourquoi je suis allé là-bas. On va se faire deux autres nécromanciens. Et on va simplement attendre donc que les choses se fassent. Mais voilà, simple, efficace. Tout ça. Très bien, d'accord, je vois le style. Donc. Où sont mes ghouls? Ah bah elles sont là. Nul ne peut me donner d'ordre. Les ombres m'appellent. Superbe. Bon, là faut que j'attende un petit peu, au moins que ce cher... La vocation est accomplie. Un peu de calme. Parfait. Quoi, vous allez vous mettre là-dessus, ça va aider Arthas à régénérer plus vite. Comme vous pouvez le constater, hein, ça monte beaucoup plus vite. J'attends d'avoir récupéré un second druide. Et ce sera bien. Les morts vivants ont quand même beaucoup d'avantages. Hein. Alors heureusement, cette zone ne renforce pas le mana récupéré. Et pour ceux qui se sont choqués que je dise heureusement alors que ça m'arrangerait bien, c'est surtout parce que ce sera un peu abusé quand même. Mais déjà, regardez la vitesse à laquelle Arthas régénère sa vie, c'est ridicule. Vous avez tous tous vos PV, ouais. Bien. Donc on va juste se contenter de laisser ce cher... Vos ordres, maître. Notre cher ami... Nous faire une base, une autre. Ouais, ben disons que l'avantage, c'est que si j'ai besoin de renfort, j'ai pas besoin d'aller les chercher très loin. Donc en général, voilà, je vais faire une mine d'or hantée pour qu'il puisse, lui, s'amuser. La salle des morts... La nécropole, pardon, c'était surtout par principe... Enfin, par principe, j'exagère un peu en disant ça, mais disons que maintenant qu'elle est là, ça me donne beaucoup de sols maudits sur lequel invoquer, et ça va me permettre de caser un bon paquet. Notre mine d'or s'est effondrée. Oh non! Mon destin est scellé. Votre volonté, vos ordres. Voilà. Maître. Alors eux maintenant, ils ont plus de mine d'or. Oui. Ils vont à celle-là. T'es là. Pour vous servir. C'est Z, ouais, pour la Zigoura. Donc, on va se faire quelques Zigoura, hein. Votre volonté sera faite. L'invocation est accomplie. Et voilà. Comme ça, cette base sera capable de se défendre toute seule. Maintenant, Arthas, t'as dû suffisamment régénérer. L'invocation est accomplie. 3 ghouls, c'est pas énorme. Je vais peut-être m'en... Oh, c'est bon, on n'en a pas besoin de 50. Allez, zou. On va lancer une attaque. Enfin, lancer une attaque. On va se balader pour vérifier qu'il n'y a rien de spécial dans le coin. Donc là, il n'y a rien. Je sais pas vraiment à quoi sert cet endroit. On va lancer. Alors, je pourrais essayer de me contenter de foncer en plein dans la mêlée. Mais comme d'habitude, j'aime bien explorer. Et je vous conseillerais toujours de le faire, de toute façon. Je préfère cela. Donc ici on a un autre endroit où on peut aller. On a une fontaine de santé derrière, donc ça pourrait être pas mal. L'invocation est accomplie. Allez, zou. Amélioration terminée. Voilà. Ben, l'avantage c'est qu'avec ça, vous voyez, j'ai déjà 3 bases. Ce qui fait que bon, après je suis pas comme l'ordinateur, je peux pas avoir 3 camps différents, mais hey. Donc déjà ici on va détruire ces arbres pour se faire un petit raccourci jusqu'à notre base principale. Pas que ça me servira énormément, mais au moins ce sera fait si je désire. Par exemple me faire d'autres... Amélioration terminée. Si je désire me faire des unités là-bas ou comme ça. Sont attaquées. Ah tiens. Ah! J'imagine que cet imbécile était trop proche. Les tourments éternels. Oups. Eh, ils ont du monde. Et maintenant il est trop loin. Nos forces sont attaquées. C'est moi qui attaque. Ne peut me donner pas ordre. Eux.
savoir. Voilà, je pense pas rester en entretien faible, mais disons que tant pis. Heureusement que les elfes sont pas très attentifs. Hein. Toi à présent, pour le roi Lich. Un peu de calme. Toi à présent. Ben, dites donc, mes forces font pas long feu. Hein. C'est pour ça que je vous dis que je trouve que les morts vivants sont un peu fragiles. Bah écoutez, on va dire que... Les morts doivent servir. 33, bon, on va se faire... 6, quelques unités de plus, parce que là, ça commence à être vraiment trop limite. Mais voilà. Un peu de calme. Bon. donc après, je remonterai probablement par là-haut, histoire de m'assurer qu'il n'y a rien... Vous voyez, ils sont en train de déforester complètement la zone. Nul ne peut me donner d'ordre. Bah moi si je peux, alors arrête de te plaindre. Les ombres m'appellent. Parfait. Ah bah parfait. L'avantage des ghouls au moins c'est qu'elles sont rapides à entraîner. Voilà. Que désire l'ombre? Que tu te ramènes ici pronto. Pour le roi à présent. Pour le roi Lich. Un peu de calme. En espérant que tu tombes pas sur une attaque de Sylvanas maintenant. Mais bon, donc aussi nous avons pu voir les lanceurs de glaives, il me semble que c'est leur nom, qui sont les unités anti-siège des elfes. Parle, idiot. Voilà. Je préfère cela. Maintenant que j'ai des forces un petit peu plus conséquentes, on va peut-être continuer à avancer. D'ordre. Alors, les chariots à viande, de toute façon, vous êtes obligés de les transporter avec vous, hein, parce que enfin. Les... Nos forces sont attaquées. Hein enfin. Ça je préfère. Oh, voilà. Là, voici une... Un moment où il y a des elfes embusqués quelque part et où il vaut mieux essayer de vous en occuper. Alors, je sais pas ce que vous attaquez pour... Nul ne peut Bref, une autre boutique goblin qui m'intéresse absolument pas. Je préfère cela. Et un raccourci jusqu'à la base principale. Je vais peut-être l'utiliser... Bah non, attendez... Parce que il me faut un chemin pour aller m'occuper de ces gnolls qui étaient là-haut. Parce que je suis sûr que ceux-ci ont un objet pour nous, mais j'arrive pas à me souvenir comment. Bon. Enfin, surtout que j'arrive pas à le visualiser, mais ça se trouve, c'est tout bête. Ah! Je préfère ça. Je déteste les sorcières. Trop efficaces à ce qu'elles font. Vous, vous fuyez. Je préfère ça. Ouais, vous voyez, c'est à peu près le même style de base, c'est pour être sûr que si jamais vous savez pas, enfin que peu importe où vous allez. Et kaboum! Nul ne peut me donner d'ordre. Là, vous voyez, ils essayent de s'acharner sur les guerriers. Ah, il y avait Sylvanas dans le tas, ça explique un peu qu'ils étaient vraiment un peu durs à tuer. Les morts, nul ne peut me donner d'ordre. Vous, puisque vous êtes là et que vous servez à rien d'autre, vous allez partir en exploration. Ben, n'empêche que ça fait un sacré contingent. Hein. Alors, ils vont mourir d'eux-mêmes, je pense. Mais ça permet d'envoyer des éclaireurs tranquillement pendant que... sachant que, sauf erreur de ma part, en bas il y a éventuellement quelque chose. Ah voilà, là. Ah bah non, plus maintenant.
Je vous avais dit, voilà, c'est un peu leur inconvénient par contre, et ce qui fait qu'ils sont pas nécessairement les plus efficaces pour ce genre de truc. Mais peu importe. Donc une autre base de détruite. Et vous savez ce qui se passe quand on détruit une base. On envoie un acolyte nous mettre... Non, je pensais que je pourrais cliquer sur la map. Non. Une mine hantée. Quoi à présent? Ah oui. Que désire l'ombre? Choisissez vite, mais choisissez bien. On va leur désactiver ça parce qu'ils ont plus de mana quasiment. Alors malheureusement, j'ai aussi reperdu toutes mes ghouls. Vous dire, bon, j'ai pas été très attentif sur elle, ça je ne vais pas le nier. J'en avais un peu rien à cirer, je vais en faire 5. Quoi à présent? Nul ne peut me donner d'ordre. Quoi à présent? Bah, à l'origine, j'avoue que j'essayais juste de. Nos forces sont attaquées! Je préfère. Oh, salut! Ah, si, il me reste une ghoule! Tu vas mourir quand même. Je sais pas à qui je parle en fait. Et peu importe. Je devrais peut-être laisser Arthas défendre. Bon, vous voyez, on a bien commencé à grignoter la zone. Mais il nous reste des zones d'ombre. Bon, là, il n'y a rien d'intéressant. Pour vous servir. Oui, voilà. A nouveau, c'est surtout pour avoir des zones plus pratiques pour défendre. Enfin, pour pouvoir placer mes ziggourats après. Vous allez rester là, vous êtes très bien là où vous êtes. Il m'en reste une, vous la récupérez, donc je m'en occuperai quand je les aurai toutes. Bon, ça progresse bien, ça progresse bien. De toute façon, là, on va commencer à arriver vers la dernière base des elfes. De toute façon, on n'a pas le choix. On peut effectivement prendre ce chemin-là, atteindre cette base et taper ici. Moi, c'est vrai que j'ai pris le chemin le plus long. Mais à nouveau, ça me dérange pas. Alors peut-être que vous vous dites, ouais, génial, merci, l'épisode dure 10 ans. Ben, c'est pas totalement faux. T'as fini là-haut? 39. Allez, zou. Vous voyez que j'ai bien fait de détruire ces arbres ici. Comme ça, ils peuvent passer pile poil et ils vont être beaucoup, là, beaucoup plus vite que si j'avais laissé le truc tout seul. Bon, bah là, c'est purement attendre. Sylvanas est mort dans l'attaque, donc au moins, j'aurais pas à m'inquiéter d'elle avant un certain temps. Donc voilà. Je dois admettre que j'aime pas beaucoup un certain nombre des chapitres des morts vivants. Et bien que celui-ci soit pas le pire, disons que c'en est un de ceux que j'aime pas beaucoup, parce que je le considère comme long, lent, et pas nécessairement très passionnant. Il est même pas vraiment dur, ou vraiment... C'est quelque chose qu'ils ont beaucoup essayé de modifier dans l'extension, à savoir Frozen Throne, où ils ont tenté de faire en sorte que les chapitres soient un peu plus différents que ça, puisque... Je ferai selon vos ordres. Dans la version normale... Nul ne peut me donner d'ordre. Tu vas souffrir. L'invocation. Donc, je voulais dire oui. Dans la version normale, où doit couler mon sang. On avait assez peu de. Attendez, c'est quoi ça? C'est une crypte, ouais. Ma vie. Dans la version normale, celle-ci. On n'a pas énormément de variété sur les différents. Sur les différentes missions. Ce qui, sans être particulièrement grave, rend le jeu un petit peu plus monotone que ce qu'il voudrait, je pense. Maître. Quoi à présent? Bon. En fait, tu vas le soigner après. Non. Je ferai l'invocation accomplie. Voilà, donc bon, on a été attaqué plus tôt que ce que j'aurais cru, mais. Je crois que c'est CTRL pour en mettre plusieurs. Mon destin est scellé. Non, SHIFT. Oui, ouais, c'est ça. Si vous gardez SHIFT appuyé, enfin la flèche pour mettre la majuscule, vous allez pouvoir lui ordonner de d'invoquer... Je ne peux pas invoquer ici. Alors invoque là. Maître.
On sent. Voilà, et maintenant tu reviens t'occuper de ce type-là. Bien, bon, donc voilà. Bon, ça, même si j'ai perdu une goule dans l'affaire, ça me laisse des forces assez correctes. Tout le reste va se construire, donc ça me fera une autre base secondaire plutôt efficace. Je vais les laisser se débrouiller pour le moment. L'invocation est accomplie. Ah ouais, mais je vais avoir besoin de... Bah, je vais vérifier qu'il n'y a rien qui traîne. Mais ça, à mon avis, ça mène juste aux gnolls qui sont là-haut et qui vont me permettre d'avoir un peu plus de... L'invocation bref. Alors, il faut pas... L'invocation est accomplie. Partir du principe que les... Oh non! Ça a disparu à rue. Nul ne peut me donner. Vous allez vous écraser sur le côté. Non, ici, voilà. L'invocation est accomplie. Oui, ça va, j'ai entendu. Voilà. Vos ordres. Grâce à ça. Maître. Un peu de calme. Parfait. Vous allez venir ici et vous tiendrez la base temporairement. Ensuite, donc on va pouvoir s'occuper de ces villes gnolls qui ont essayé de tuer mes ghouls au début. Ah ouais, ils sont nombreux et ils ont pas l'air d'être là pour rigoler. Hein. Un autre. Bon, je prends, j'ai envie de dire, mais. Bah, si vous l'avez pas eu, ça peut être pas mal, mais j'avoue que bon. Je vais dégager ça, parce que ça sert strictement à rien. Je l'ai pris pour rigoler, surtout. Voilà, bon, bah, ça rend Arthas plus solide encore. Voilà. C'est un peu l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas d'autres héros. La campagne des morts-vivants est l'une des campagnes. Je préfère, je dois admettre, la campagne des orques. Ça doit être l'une de mes préférées. Ouais, je pense que celle des orques est ma préférée. Tu connaîtras les tourments éternels. J'aime beaucoup les humains en tant que race, etc. Parce que moi-même, je suis un... Ah, parchemin de la bête, ah oui. Non, c'est vrai. Mais, enfin, c'est pas parce que... C'est pas une question de racisme, mais c'est vrai que... J'aime bien les humains en tant que tels, les armures, les chevaliers, les paladins, etc. Mais, et puis bon, avec les elfes, les nains, ça fait un truc assez marrant. Mais malheureusement, leur campagne n'est pas nécessairement la plus passionnante. C'est pas la pire, hein. Je dis pas que la campagne des humains est pourrie, je dis juste que bon, ça pourrait être plus marrant. Et voilà, et la campagne des morts-vivants, pour autant qu'elle soit intéressante, je la trouve longue, mais pas pour de bonnes raisons. Elle est rallongée pour pas grand-chose. Je préfère cela. Elle dure des lustres, etc. Bref. Je pense pas que mes unités aient trop besoin de régénérer, je vais attendre un tout petit peu, mais on va commencer à accélérer le mouvement. Quand je dis ça, bon, ça perd en un peu de calme. Mais bon, vous avez pu remarquer que la... Ah! Fuite! Fuite! Sylvanas nous attaque! Aucun intérêt d'essayer de soigner mes unités. Elles vont jamais tenir. Waouh! Tout le monde soigne Sylvanas à un point où je peux même pas espérer en la tuer. Enfin, mais elle soignait limite... complètement les dégâts que j'ai infligés. Donc avec ça, j'ai pas perdu de nécromancien, ce qui fait plaisir. Donc je vais me faire 3 ghouls avant de lancer l'assaut que j'avais en tête. T'as tout ton mana, t'as tout ton... Waouh, bah dis donc. Mais Metavik, ça va être bientôt l'assaut final. On va explorer un petit peu. À présent, nul ne peut me donner d'ordre. On va explorer avec ça en attendant que les autres soient faits. Par exemple, ici, je m'attends à ce qu'il y ait une fontaine de mana. Ça peut être très utile si vous avez pas mal de nécromanciens. Ou pour Arthas de manière générale. Parce que Arthas triche un petit peu avec ce pendentif, car normalement quand vous avez autant de mana, vous avez une bonne régénération, ce qui vous permet d'utiliser pas mal de sorts. Alors que là, ben, c'est pas vraiment le cas. Potion de soin majeur, rien de très intéressant, je dois le reconnaître. Mais bon, je vais laisser Arthas prendre son petit bain de mana pour qu'il régénère tout son mana. Ouais. Et ensuite, nous retournerons à la base. Alors,
Ouais, non, c'est bon, j'avais l'impression que certaines de mes unités étaient ralenties, mais ce n'est pas le cas. Ou si c'est le cas, elles ne le sont plus. J'ai perdu personne, ce qui me surprend, parce que je m'étais vraiment attendu à avoir quelques pertes. Et avec ça, nous avons exploré un peu plus ce coin. Il n'y a rien par là-bas, hein. C'est vraiment juste des parties rocheuses. On peut descendre par là d'ailleurs, ça peut être un bon endroit, mais je veux vérifier qu'il n'y a pas d'elfes embusqués ou une bêtise comme ça. Que désire l'ombre ? Je désire que... Pourquoi tu fais tout le tour ? Bon, peu importe. Un peu de... Je désire me constituer un groupe plus imposant. Enfin. On va aller vérifier, mais Metavik, c'est l'attaque finale. Un peu de calme. Enfin, si c'est pas l'attaque finale, c'est l'attaque pendant laquelle je vais me débarrasser d'un maximum de leurs troupes. Et ensuite, on s'occupera du reste. Voilà, ça c'est juste pour révéler. Voilà. Donc on va commencer à présent. Ah, enfin. Par mettre Arthas et compagnie ici. Un peu de calme. Frostmour. Voilà, et on va attirer ces premiers défenseurs là, les massacrer. Littéralement. En plus, il y a l'attaque Arthas, j'ai l'impression, ce n'est pas vraiment la meilleure cible. Parce que Arthas va le démolir. Maintenant, vous allez me détruire cette tour. Quoi à présent ? Non, si, c'était très bien. Nul ne peut me donner d'ordre. Stop ! Une fois que la tour sera tombée, on va lancer l'attaque. En avant ! Bon, l'attaque aura tourné court vu que c'était juste un avant-poste. Et je crois que ici nous avons le véritable. Nous avons enfin atteint les portes elfiques. Ouais. Attaquez, pas de prisonniers. Alors vous allez quand même me détruire ça. Mais ici nous avons une tour et nous avons la base de Sylvanas. C'est pas vraiment une base très difficile à détruire, donc on devrait pas avoir beaucoup de problèmes. Mais à nouveau, on a une tour sur notre chemin. Et en général, j'apprécie de m'en débarrasser avant. Parle, idiot. Voilà. Juste qu'elle soit révélée. Vous allez tenir vos positions. Un peu de calme. Plus maintenant. Voilà, alors malheureusement, vous voyez maintenant, il voit plus la tour. Nul ne peut me donner d'ordre. Oh, j'allais oublier. Un peu de calme. Un peu de calme. Toi, à présent, tu vas souffrir. Frostmourne. Pour le roi Lich. Bien. C'est l'attaque finale. Alors méfiez-vous des prêtres, puisque ceux-ci peuvent détruire sans trop de problèmes vos guerriers squelettes. Par quoi? C'est nous qu'on les attaque, bande d'andouilles. Nul ne peut me donner l'ordre. Voilà. Je vais laisser mes guerriers squelettes se débarrasser de ce truc, ou en tout cas essayer, mais regardez-moi le nombre que j'ai. C'est ça qui rend les morts vivants tellement agressifs et tellement puissants. Un peu de calme. Voilà, ceci est l'hôtel via lequel Sylvanas revenait. Ben, elle va pas revenir du tout maintenant. De toute façon, même si elle revenait, je pense pas qu'elle pourrait faire grand chose. Et voilà. Parle, idiot. What? Oh! Frostmourne est affamé. Ma colère. Hey, il y a encore des ennemis ici. Ils servent à rien, je crois. Ils ont une potion complètement pourrie, je crois. Non, je plaisante pas. Je crois qu'ils ont Je crois que leur chef nous lâche une potion de soin ou quelque chose comme ça. Voilà, une potion de mana suprême. Je veux dire, vous venez de finir le chapitre. Vous attendriez quand même à ce que planqué sous Sylvanas vous y ait un peu mieux qu'une potion de mana. Alors, je suis d'accord que ça rend du mana, mais... Enfin, que c'est utile, mais... Hein? Oh, zut! Bon, bah, c'est fini. Ah, Jean du Falana.
Repliez-vous sur la seconde porte. Repliez-vous. Tu as des jambes bizarres. La porte qui est tombée. En avant, mes braves. En avant vers la victoire. Pourquoi tu dis mes braves? Ce sont des squelettes dégénérés. Bon, peu importe. Voilà, donc ça fait presque une heure. 51 minutes, donc non, je pense que ça a duré légèrement moins longtemps que ce que j'aurais cru, mais ça dure longtemps. La prochaine est aussi très longue. Les chapitres des morts-vivants sont très longs, surtout parce que les cartes sont très vastes et pour pas grand-chose. C'était au moins des avantages des humains par rapport à eux, c'est que vous aviez des objectifs à réaliser, enfin un aspect à utiliser, une mécanique. Ici, par exemple, c'était le fait de détruire les arbres pour avancer. Ben, du côté des morts-vivants, c'est beaucoup plus... C'est pareil, mais vous devez le faire 5 ou 6 fois, vous devez avancer 30 morts. Alors, je ne nie pas que c'est mieux quand ça dure un minimum de temps, mais là, en ces débuts de chapitre, la durée, en ces débuts de campagne, que ça dure longtemps n'est pas nécessairement bon, parce que vous n'avez pas l'impression de pouvoir y faire énormément de choses. Mais bon. Assez de complaintes. Nous avons réussi à atteindre Kel'Thalas, je confonds avec autre chose pour la fin. Et nous avons commencé à massacrer les défenseurs elfes les uns après les autres. Sans problème, comme ça, hein, on détruit leurs arbres, on se pose sur leur base, et on s'étend. La prochaine fois, donc, nous allons continuer à avancer dans la forêt. Oui, vous croyez qu'on est arrivé à la capitale déjà? Non, il nous reste encore la forêt. Puis ensuite, enfin, on pourra voir ce que ça donne. Donc, je vous retrouve la prochaine fois pour ça. D'ici là, ciao!